vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui ça... un nouveau vlog. Non, mon tout premier vlog maintenant. Donc aujourd'hui je vais faire du rangement, je vais essayer de trier, mais me connaissant je pense tout garder, magnifique, dans ma chambre, parce que c'est le bordel. Plein de bordel sur mon bureau. J'aimerais bien organiser quelques petits trucs par rapport à la couture, à tous mes trucs de loisirs créatifs. Donc ouais, faut que je me bouge, comme on dit. Mais ouais, c'est... Donc là, je vais vous montrer. Alors, les seuls trucs qui ne bougeront pas, c'est tous mes trucs de collection. Hein. Voilà, Harry Potter, Disney, jeux vidéo. Les trucs là, ça bouge pas. Il y a juste quelques petits trucs qui vont peut-être bouger pour... la collection. Mon chat qui me regarde doit se dire qu'est-ce qu'elle fout celle-là. Mon bébé, mon vieux bébé. À 12 ans la vieille, hein. 12 ans bientôt. Elle va bientôt aller chez le vétérinaire. Elle fait la gueule. C'est pas la même quand elle va chez le véto. Hein, tu veux aussi qu'on te montre. Et la mademoiselle me regarde, elle est belle. Bref. Je disais que bah, je vais voilà, ranger ma chambre. J'ai pensé ça hier, mais hier on a fait les courses. Et après je devais partir. Donc voilà, pour quelque chose. Je devais partir et ouais. J'ai pas eu le temps. Mais j'ai pensé toute l'après-midi et ça a été atroce. Et après j'ai pas eu le temps. J'ai pas trop de temps la semaine. Voilà. Donc là pour l'instant j'ai pu réfléchir hier après-midi parce que j'aurais pu bouger des trucs machin, donc là j'ai des idées, donc là faut que je voie si ça rentre ou pas. La question qui tue, voilà. Elle me regarde, elle doit dire mais elle va pas bien cette folle. D'habitude elle dort au quand je parle, elle s'en fout royalement, mais là elle est réveillée, madame est pas contente je pense. Bon, voilà, je vais essayer de faire quelques petits trucs. Je vais juste vous faire un avant, je vais peut-être vous faire un avant après pour que vous voyez le bordel qu'il y a dans ma chambre. Donc là, je vais vous montrer ça, ça sera en musique, il n'y a pas besoin d'entendre. Et ouais, et après, vous me verrez en accéléré. Donc voilà, j'ai du boulot, je dois aussi faire du tri dans les tiroirs de mon bureau et tout, ça va être le bordel. Magnifique. Thank you.
voilà, j'ai terminé le rangement. Donc là, il est 11h, je crois. Il va bientôt être 11h. Donc là, je vais m'apprêter à filmer la vidéo sur tous mes livres de coloriage mystère. Et faudra aussi que je fasse la vidéo sur tous mes livres de coloriage non mystère. Mais ça, je ferai ça bien plus tard, parce que voilà. Mais je me suis dit que ça pouvait être, déjà être intéressant. Comme ça, je pourrais commencer les speak coloring et trucs comme ça. Et comme ça, les gens, s'ils me demandent de faire une vidéo sur tous mes livres de coloriage, ils l'auront déjà. Et puis je ne pense pas acheter d'autres livres. Je sais que cette année ils vont en sortir un nouveau trompe-l'œil, mais je sais pas si je veux l'acheter, parce que en ce moment je ne colorie pas trop. Mais on verra bien. Mais déjà, on va aller filmer cette vidéo. Mais je suis pas hyper motivée, mais j'ai envie de la faire quand même. Voilà, donc c'est parti. Hello, donc on est toujours le même jour, hein, vendredi 14 février. J'avais oublié que c'était la Saint-Valentin. Bah si, je sais que c'est la Saint-Valentin, mais j'ai oublié de le dire dans cette vidéo. Mais je pense qu'on s'en fout un petit peu tous. Après, moi je n'ai pas de Valentin, donc d'un côté, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas dit. Voilà. Donc là il est 22h57, je viens de rentrer du boulot. Alors pour les personnes qui se demandent, je ne dirai pas dans quoi je travaille, voilà. Tout simplement. Après, si vous venez de mon ancienne chaîne, vous savez dans quoi je travaille. Alors bien évidemment, si vous le savez, ne le mettez pas en commentaire. À partir de maintenant, je ne peux plus en parler. Voilà. Donc c'est un choix voilà, que j'ai fait. Même si je pense que vous en foutiez un petit peu. Voilà, ma vie n'est pas hyper intéressante non plus. Mais voilà, je préfère vous le dire que je suis rentrée du boulot. Voilà, tout à l'heure quand vous avez vu. Comme j'avais dit que l'après-midi je ne suis pas là, bah en fait tout simplement je suis au boulot. Voilà, tout simplement YouTube n'est pas mon boulot à plein temps, on est d'accord. En même temps, je n'ai que 15 abonnés à l'heure où je filme cette partie de vidéo. Donc voilà, je tiens à préciser que je travaille, que je ne suis pas au chômage. Ne vous inquiétez pas, je me balade pas à droite, à gauche tous les jours dans les magasins non plus. Hein. Je préfère le dire. Donc voilà. Donc je suis rentrée du boulot, j'ai pris ma douche. Donc voilà. Si vous entendez des petites pattes qui bougent, c'est mon chat. Voilà, mon chat a envie de me bouffer parce que je l'ai embêté. Mais la vieille mère, elle est pas contente. Voilà, je sais pas ce qu'elle regarde, elle regarde le sol. Donc je reviens dans cette partie de vidéo pour vous montrer un achat que j'ai fait sur Amazon. J'ai encore commandé un truc sur Amazon à 1h, ouais, et tout. Bon, je le recevrai que demain parce que j'ai le Prime. Depuis que j'ai le Prime, j'arrête pas de commander, surtout depuis que je fais de la couture. C'est hallucinant et c'est vraiment pénible. Je me saoule, mais je me saoule à un point, j'ai envie de dire dans ma tête, mais c'est quand que t'arrêtes de commander sur Amazon? Bonjour à la surconsommation. Voilà, je ne fais vraiment pas du bien à la planète. Je ne sais pas. Ouais, si, un petit peu, hein, avec les cartons, j'aide pas beaucoup, je pense. Bref, voilà, mais bon, malheureusement, je ne trouve pas les choses que je cherche en magasin. Et le truc que j'ai commandé, en fait, avant de partir au boulot, alors le truc que je vais vous montrer, je l'ai reçu avant de partir au boulot, et j'ai commandé avant de partir au boulot, voilà. Comment vous dire que le truc que j'ai commandé, il est 2 fois moins cher sur Amazon qu'à Cultura. À Cultura, il coûte 50€. Et je l'ai pris bien évidemment sur Amazon parce qu'il coûtait 33€. Voilà. Donc je sais pas si demain je vlog. Donc je ne sais pas. Je ne pense pas, parce que demain je vais au cinéma avec mon frère. On va manger au Burger King avant d'aller au cinéma. Et je vais aller précommander un jeu vidéo qui est Animal Crossing New Horizon à Micromania, pour être vraiment sûr de l'avoir, parce que j'ai tous les opus sauf le GameCube, et j'aimerais bien évidemment l'avoir parce que c'est l'un de mes jeux préférés. Donc ne pas avoir cette version là, ce serait vraiment bête, voilà, tout simplement. Bref, j'arrête de parler, je vous montre ce que j'ai reçu. Donc en fait, j'ai cherché une petite table à repasser. Voilà, et j'en ai trouvé une. Alors c'est une petite table à repasser, en fait, pour repasser, vous savez, les manchettes des chemises, je crois. Je ne porte pas de chemise, donc je suis pas sûre à 100%. Ça s'appelle une Jeannette. Et j'en cherchais une, j'avais vu ça sur une chaîne de couture et tout. Je me suis dit, mais comment ça s'appelle et tout machin. Alors j'ai fait mes petites recherches sur Amazon pendant un petit moment.
et tout. Et à un moment, j'ai arrêté de chercher. Après, je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder au cas où s'ils n'ont pas mis sur Amazon au cas où. Et si, ils ont mis cette petite table basse. Table basse, bien sûr. Petite table à repasser que je cherchais. Et je l'ai enfin trouvée. Elle se présente comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Et en plus, elle est pas chère. Donc vous avez plusieurs coloris. Alors je crois que les coloris c'est aléatoire. Donc moi je me suis tapé le rose. Bon, moi j'aime. Merci, je me tape avec le truc. Le rose, ce n'est pas ma couleur préférée. Même que je m'en serais bien passée. Mais bon, après c'est juste pour repasser quoi. Mes créations couture et tout. Donc c'est pas la fin du monde. Et puis pour le prix, je suis très contente. 10€ cette petite table à repasser. Donc en soi, je vais pas titiller pour ça quoi, c'est juste une couleur, hein. C'est pas la fin du monde. Donc bien évidemment, je vais vous mettre le lien de cette petite table à repasser qui se plie comme ça au niveau des pieds. Voilà. Et ouais, quand j'ai vu le prix, j'ai dit bah allez hop, on le prend, on le met dans le panier et tout. Et j'ai commandé d'autres trucs, mais ça je ferai une vidéo haul prochainement sur ma chaîne si je commande d'autres trucs pour la couture, parce que je sais que ça peut toujours être intéressant pour les personnes qui font aussi de la couture et qui n'ont peut-être pas le temps de chercher sur Amazon. Bah je fais le boulot à votre place, voilà tout simplement. Donc voilà. Et le truc que je me suis commandé, c'est pas du tout la couture, mais j'aimerais bien me remettre à la création de bracelets, vous savez, avec les perles Miyuki ou de rocaille. Moi les perles Miyuki ça coûte la peau des fesses et je sais pas si je vais en acheter, j'hésite, mais juste 7 grammes de perles Miyuki, je sens que l'autre va me bouffer les panards. Les panards c'est les pieds. Ah non, t'en as marre, tu m'aimes plus. Je disais, parce que mon chat est parti, a fait son petit bordel, donc je disais que les 7 grammes, voilà c'est un petit tube, hein, vraiment un petit tube de 7 grammes de perles Miyuki, 4€ à Cultura. Non, 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 non. Donc bah, pour l'instant j'aimerais bien, mais je trouve ça cher. Voilà. Après je sais c'est des perles japonaises, donc c'est un peu normal, mais ouais je... Voilà, donc j'ai acheté le métier à tisser. C'est un métier à tisser en bois. Donc c'est peut-être pour ça qu'il coûte cher. Mais par rapport à Cultura qui est à 50€, Amazon 33, je ne dis pas non. Voilà, il y a quand même une grosse différence. Hein. C'est pas comme si c'était genre 2-3€. Là, c'est vraiment énorme quand même la différence. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que Cultura, quand même, c'est pas donné. Hein. Voilà, je pense que je vais arrêter ce vlog là parce que je parle beaucoup, là je fais déjà 8 minutes de blabla. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que je pense qu'il va être long. J'ai l'habitude de faire des vlogs longs. Voilà, j'ai déjà tenté des vlogs et c'est trop long. Les vlogs sont trop longs. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Demain, je pense que je pourrais rien vous montrer, donc de toute façon ça va pas servir à grand chose. Après dimanche je pense que je vais peut-être pas vlogger, je vais essayer de profiter de mon dimanche, me reposer et tout. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Peut-être que dans un prochain vlog je vous montrerai le métier à tisser. Je vais essayer de faire pas mal de vlogs aussi et tout, un peu mieux travailler, essayer de pas faire des vlogs qui durent 3000 ans, mais ça va être dur. Voilà. Donc j'espère quand même que ce vlog vous aura plu, même s'il n'était pas hyper intéressant, mais bon, je voulais quand même vous faire un vlog et puis vous montrer mon bazar, voilà, tout simplement, parce que des fois je montre ma tête, mais des fois il y a cache-misère derrière, hein. Allez, un petit peu de bordel, donc ça cache quoi, ça aide. Voilà, tout simplement. Mais bon, voilà, dites-vous que des fois, ça fait du bien de ranger. Alors, trier, non, je n'ai pas trié. Mais ranger, ça fait du bien. Voilà. Donc, encore une fois, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.